Bonjour, lecture du texte TE, page 66. Donc, les enfants, je vais lire le texte. Normalement, vous avez dû le lire tout seul. Vous avez colorié un maximum de mots, tous les mots que vous saviez lire tout seul. Donc maintenant, on va faire la lecture ensemble. « Oh, petit Jean, lui dit son frère aîné en apprenant l'histoire, cette princesse est un vrai démon. Tiens, prends ce sac et va lui demander ce qu'elle veut en échange de ta ceinture. Mais ne lui dis pas combien d'or il contient, sinon elle va tout prendre. » Petit Jean promet d'être prudent et remercie son frère. Le lendemain, il prend le chemin du château avec le lourd sac d'or sur l'épaule. On va regarder un peu l'image ensemble des enfants. Donc c'est le frère aîné qui va lui donner en fait le sac d'or. Donc là on voit quelqu'un qui pleure. On voit un personnage qui pleure. Le personnage qui pleure et qui est très triste, c'est Petit Jean. Pourquoi? Parce que la princesse lui a volé sa ceinture. Là, on voit le sac d'or. Donc là, c'est le frère aîné qui tend le sac d'or à Petit Jean. Il lui donne le sac d'or pour qu'il puisse récupérer sa ceinture. Et celui qui est tout fou, qui est fâché, qui a l'air de sauter dans tous les sens, si ce n'est pas le frère aîné, si ce n'est pas Petit Jean, c'est le frère cadet, celui qui est au milieu, qui est né entre le frère aîné et Petit Jean. Voilà.